another one. Yes, me, yes, me, Drake. La 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 la. La 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 la. La la la. Drake. Birdman, Jay in this bitch, no flamingos, and I done did everything but trust these hoes. When a rich nigga wants you, and you're near, they can't do nothing for it. These hoes ain't loyal, no they ain't. Whoa, these hoes. Pour les wall drag, air drag, y a une certaine facilité, je sais pas si vous trouvez aussi cette facilité lorsque vous jouez, à faire des aériennes. J'ai l'impression que la voiture est plus lourde que la balle. Another one. Lady, please stand up. I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like panic. Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just... Yop tout le monde, c'est ouais, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais moyennement bien. J'ai un peu la voix cassée, mais vous allez vous y faire. Et puis après, ça va changer. Les gars, vous allez pas me croire, mais là, je commence la vidéo. Je suis en off, en voix off, hein, je suis au-dessus, quoi. Donc, je commente un truc que j'ai déjà commenté. Mais en fait, j'ai pas fait gaffe. Je crois que je suis tellement malade. Mon micro était coupé. Et du coup, j'ai commenté toute une vidéo tranquillement, pépère. Mais le son était coupé. Donc bon, là, je vais commenter par-dessus. Ce sera apparemment, ce sera, j'espère, pas dégueulasse. Donc voilà, bon. En tout cas, on est là pour présenter la fameuse Skylan. Je vous donne pas le nom complet. Je vous épargne tous les chiffres. Mais cette Skylan, franchement, vous allez voir. Elle est absolument sublime déjà. Bon, la couleur, ça, c'est mon petit kit perso. La couleur dorée, les stickers, etc. Le sticker que j'ai mis, je vais vous le montrer maintenant. Tu vois, t'as vu, j'essaie de bien calculer par-dessus. Donc, encore une fois, je crois que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Je crois qu'ils ont fait pour... Ils se sont trompés aussi pour la High Surger, je sais plus. Mais, comment dire, épuré et aucun sont inversés. Ou alors c'est que... Je sais pas, mais épuré et aucun. Ils sont inversés, du coup, on s'en fiche un petit peu. En tout cas, ce sticker-là que je monte à l'écran, là, tu vois, bah c'est mon sticker préféré. Pourquoi? Parce qu'il est discret. Par contre, j'aime pas, c'est le Touring, là, tu vois. Le Touring qui est noté, je déteste. On le voit pas en couleur dorée, c'est fait exprès, c'est un petit peu... Il est un petit peu caché, tu vois, parce que c'est la même couleur que j'ai mis. Mais si je mets du bleu... Oh putain, je suis synchro de dingue. Si je mets le bleu, bah tu vas voir qu'il se voit. Et je trouve ça juste dégueulasse. Mais bon, après ça, c'est une question de goût et couleur. Et là, je vais vous montrer vite fait les stickers, mais je passerai, on s'en fiche un petit peu. Il y a à chaque fois des annotations, et ça, je trouve pas ça... voilà, les goûts et les couleurs, hein, je trouve pas ça terrible. Voilà, là, il est noté, je sais pas quoi, là. Je sais plus ce qui était noté, Zilla, je crois. L'autre est noté RK en grand. Enfin, c'est trop imposant, je trouve, à des moments. Sauf cet autocollant, enfin, ce sticker, où on voit, il est un petit peu discret sur l'arrêt de la voiture, donc ça passe plus ou moins. Mais sinon, pour les autres, je trouve ça... ouais, je trouve ça bof. Franchement, je trouve ça bof. Et je me dis même, autant partir sur un Mystery Decal. Et comment dire, avoir vraiment une autre couleur, un autre sticker sur la voiture. C'est peut-être mieux, je sais pas. En tout cas, mon préféré, ça reste le... Je sais plus comment il s'appelle, le tout taf, un truc comme ça. Celui qui a les petites lignes sur les recoins de la voiture. C'est mon préféré. Et cela dit, le aucun, qui n'est en fait pas le aucun, mais t'as compris, il est pas mal. Puisqu'il n'y a pas d'annotation, etc., comme j'en ai parlé. Mais il est vraiment pas mal. Enfin voilà, ici on voit noter Zilla, hein. Le Zilla, c'est ça que j'aime pas du tout. Enfin bref, les gars, je claque des doigts, on va tester un petit peu le gameplay, désolé pour ma voix. On teste le gameplay, et on dirait le micro il s'est coupé lui-même, genre il savait que j'avais une voix de merde. Bon allez, je claque des doigts, on se retrouve tout de suite, let's go. Alors, bon du coup, on se retrouve sur le mode entraînement, en mode entraînement libre. Et je constate que voilà, les doubles sauts, ça c'est mon petit test avant de commencer. C'est un petit peu voir si les doubles sauts, si ta voiture touche le sol lorsque tu fais un double saut. Est-ce que ça gêne la grandeur de la voiture? Parce que la voiture est quand même assez grande. Comparez-la, hein. Prenez un pote, mettez-vous l'un à côté de l'autre, prenez une Takumi pour vous donner l'exemple, et la Skylan, et vous allez voir la différence de taille, elle est juste énorme, c'est un truc de ouf. La High Charger, je pense, c'est la voiture qui l'égale en termes de longueur et en termes de taille. Voilà, j'ai essayé de comparer avec la balle pour vous donner un petit exemple. Et juste une petite parenthèse, je suis quelqu'un qui adore dribbler et qui dribble plutôt, je me démerde pas mal en tout cas, uniquement avec... comment dire,
avec la Takumi ou les voitures un petit peu courtes, la Endo qui est plus ou moins courte quand même. Voilà, ce sont les voitures avec lesquelles je me sens le plus à l'aise en termes de dribble. Donc là du coup je me retrouve avec une Skyline plutôt grande et là je me dis mince, comment ça va se passer. Mais du coup il y a un truc qui est quand même sympa avec la Skyline, je sais pas si je vais le montrer directement, c'est comment la balle accroche la voiture, comment elle colle à la voiture et du coup ce qui donne un contrôle de balle juste magnifique. Donc il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas avec la Skyline. Bon, encore une fois, il faut vraiment la maîtriser. Il y a ce côté aussi fluide que la voiture a. Et ça, c'est aussi à dire, il faut le dire. Désolé pour ma voix. Il faut le dire quand la voiture est plutôt fluide, il y a des voitures qu'on sent un peu lourdes. Celle-là, moi, je la sens plutôt légère. Et franchement, c'est bon signe. C'est bien parce que ça vous donne l'impression d'être plus fluide. Ou même vous êtes plus fluide sûrement en game, vous êtes plus vif, plus agressif quand vous voulez, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez vu que niveau hitbox, voilà, j'ai pas forcément de difficultés. Ah oui, si, un petit détail, c'est la hauteur de la balle, de la voiture. La voiture est plutôt haute et vous allez trouver ça chelou, mais franchement, parfois j'ai l'impression de jouer la Merc. Vous voyez cette hauteur qu'a la voiture. J'ai l'impression de jouer la mer, ou plutôt, pour diminuer un peu la taille, la maraudeur. Je vous jure, j'ai l'impression de jouer une maraudeur. Une maraudeur plus fine. Donc ta large, elle est plus fine. Voilà, la Skyline, je la trouve un peu plus fine. Du coup, c'est une maraudeur au niveau hauteur qui ressemble à... Non, c'est une Skyline au niveau hauteur qui ressemble à la maraudeur. Mais en termes d'épaisseur, non pas de hauteur, d'épaisseur, mais qui ressemble plutôt à une Takumi. Bon, c'est mon impression. Chacun aura la sienne. Après, niveau hitbox, très carré, hein, très carré. Et vous allez voir, je vais le montrer certainement à des moments. Pour les wall drag, air drag, il y a une certaine facilité. Je ne sais pas si vous trouvez aussi cette facilité lorsque vous jouez à faire des aériennes. J'ai l'impression que la voiture est plus lourde que la balle. Et que donc, on a une certaine facilité. Je ne sais pas si vous venez de voir le dribble. Je ne recommencerai pas en arrière. Mais c'est mon futur Drift to Brazil, vous allez voir, vous verrez bien. En tout cas, juste pour terminer, cet effet que je viens de dire, où la voiture est plus lourde que la balle, c'est à tester. C'est à tester parce que, je sais pas comment expliquer, il faut que vous le testiez. Si vous êtes des pro air drag, vous confirmerez sûrement ce que je dis, ou infirmerez, je sais pas, hein, vous verrez bien ce que si vous pensez la même chose que moi. Mais j'ai l'impression que la voiture est vraiment plus lourde que la balle. Et que du coup, ça donne une certaine facilité pour les aériennes. Et peut-être une certaine puissance au niveau des frappes aériennes. Bon, ça c'est à voir. On n'y est pas encore. Mais bon, voilà. Je vais tester les contrôles. Je claque des doigts. Et on teste un petit peu les contrôles. Let's go. Donc, on se retrouve dans la salle de contrôle. Ah, je suis trop marrant. Non, on se retrouve dans la salle de contrôle. Bon, forcément, on va contrôler quelques ballons. Et j'utilise toujours la même méthode, hein, pour ceux qui me connaissent. Je prends tout simplement les aériennes en All-Star et je contrôle les balles au lieu de faire des aériennes. Voilà, c'est mon petit côté, j'aime bien faire ça. J'adore faire des contrôles. Et vous allez voir, franchement les potes, vous allez voir, niveau contrôle, je sais pas si c'est une question, si c'est la maîtrise. Je sais pas si c'est la maîtrise, mais franchement, oh, vous venez de le voir, elle bouge pas. Elle bouge pas. Si vous gérez votre contrôle, la balle ne bouge pas, elle colle à la voiture. Et je trouve ça juste, c'est un contrôle de balle de bowling, tu vois, genre le truc, là vous allez voir que je vais rater. Voilà, j'ai loupé vraiment mon contrôle. Je vais vite faire le recommencer. Et vous allez checker, franchement la balle elle va pas bouger du capot. Elle va être pile dessus et pouf, elle va rester dessus. Tu vois. Et ça franchement, avec la Skyline, et je sais qu'avec la Dodge j'ai cette facilité aussi. Je kiffe. Donc les hitbox me gênent pas trop au niveau contrôle. Donc ça c'est bon. C'est bon à savoir parce que vu que je fais que ça. Là j'ai complètement foiré, c'est un truc doux. Vu que je fais que ça en game, de contrôler des ballons au lieu de partir les prendre en aérien. Enfin c'est mon style de jeu, encore une fois, chacun son style. Mais voilà, c'est important pour moi qu'une voiture. Pour que je sois à l'aise en tout cas à contrôler avec une voiture. Donc voilà, je crois que là je vais le tenter. Même pas, je vais toujours le tenter du droit. Ah non. Ouais, je vais le tenter du gauche, donc là j'ai complètement foiré. Je vais le retenter du gauche et puis je passe à un autre entraînement. Et là je vais changer carrément de style d'entraînement, vous allez voir. C'est la petite touche perso. Donc là encore une fois, vous avez vu, hein, elle bouge pas, que ce soit côté gauche ou côté droit. Cela dit, je sais pas pourquoi, mais je suis plus facile. Enfin, j'ai plus simple à contrôler du droit que du gauche. Je sais pas pourquoi, peut-être je suis droitier, c'est à cause de ça. Bref, bah, je vais changer, là à l'écran, on perd pas de temps. Ou alors je claque des doigts et on se retrouve, parce que le temps que je trouve l'entraînement, et on teste.
Bon, finalement, je crois que j'avais testé les air drag. Donc vous allez voir un petit peu niveau air drag ce que je disais. Regardez, à des moments, je sais pas si ça va se voir ici, mais à des moments, j'ai vraiment cette impression que la voiture est vraiment plus lourde et qu'elle monte, elle pousse la balle un peu plus haut. Regardez, quand la balle me touche, je retombe pas. Et je sais que souvent, j'ai ça avec certaines voitures où vraiment, je retombe. Regardez, je la soulève. Je la soulève et je retombe pas. Je sais pas si c'est vraiment une mauvaise impression, mais c'est l'impression que j'ai. Et franchement, c'est un atout. C'est un atout. Là, regardez, je vais pas du tout diminuer de hauteur, d'altitude, je veux dire, lorsque je vais toucher la balle. Je vais plutôt l'emporter avec moi, sans trop me prendre des coups du lapin, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je trouve ça trop chelou. Donc ça, je voulais absolument vous montrer. Bon, après, je suis pas non plus un expert en road drag et tout, mais je voulais absolument vous montrer pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'était juste ça, ce que je voulais vous montrer en niveau aérienne. Après, niveau air drag, world drag, vous avez vu, hein, c'est assez stylé. Donc bon, je claque des doigts et on se retrouve avec un autre entraînement très 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 dribble. Vous allez voir, je claque des doigts tout de suite. Alors voilà, le petit dribble, on se retrouve avec l'entraînement de dribble. Vous allez voir, c'est juste pour tester un peu les hitbox et ce dont je vous parlais avec cet effet colle, en fait, que la balle colle justement à la voiture. Je voulais vous montrer, il y a un autre truc aussi qui est vraiment assez facile à faire avec la voiture pour le coup. C'est lorsque, vous voyez, quand je tiens la voiture, en fait, la balle, sur la voiture, regardez comment elle bouge pas. Comment c'est tellement clean et lisse, ça bouge pas, elle décale pas à droite ou à gauche. Certains vont me dire c'est une question de maîtrise. Et que pour le coup, peut-être que je maîtrise assez bien ce contrôle de balle. Mais je vous jure qu'à des moments, c'est pas forcément de la maîtrise. C'est vraiment la voiture qui facilite un petit peu la chose. Donc là, j'ai complètement foiré. Vous allez voir qu'à des moments, je vais vraiment prendre la balle sur le dos. Et alors elle va, mais pas bouger. Regardez comment elle bouge pas. Donc vous imaginez que si vous êtes comme ça et que vous voulez dribbler quelqu'un, la facilité que vous pouvez avoir à dribbler quelqu'un, je trouve ça juste trop stylé. Donc là je vais complètement foirer le truc, non même pas en fait, je crois que je me démerde plutôt pas. Non, j'ai foiré, je sais que là je vais foirer 10 fois, donc là je vais claquer des doigts, on va zapper un peu. Alors celui-là il est pas mal du tout, faut se tourner et aller droit au but. Donc regardez la facilité, regardez comment elle bouge pas, vous mettez, c'est un truc de ouf. Moi je trouve ça excellent. Je trouve que c'est un atout, encore une fois, comme l'aérienne, à prendre, hein, tout simplement, franchement, à prendre. Dans son ensemble, elle est stylée. Désolé pour le petit bruit, c'est chez moi, hein, c'est chez moi, vous cherchez pas. Regardez, niveau contrôle de balle, je vais pas trop m'attarder non plus. Je vais quand même vous montrer les 11 tirs, pour montrer un peu la voiture, ce qu'elle donne quand même niveau contrôle. Et pour l'instant, je trouve ça juste clean, en fait, c'est juste propre, les contrôles, etc. Là, je pensais qu'elle allait venir vers moi, genre redirect. Là, faut taper un petit contrôle orienté, complètement foiré, on va pas se mentir. Et ensuite, faut tout simplement l'emmener, regarder. Est-ce que franchement, à tester, dites-le-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu la voiture avant que je fasse la vidéo et que pour le coup, vous me suivez sur ce que je dis. Surtout au niveau des aériennes, vu que je suis pas quelqu'un qui fait des aériennes, je suis curieux de savoir si vous avez aussi cette sensation. Mais je veux absolument savoir. Donc dites-moi quoi dans les commentaires. Voilà, donc là, je crois que je vais zapper. On s'en fiche un petit peu. Après, c'est juste des bêtes goals, quoi. Des goals en contrôle. Donc là, je vais claquer des doigts. Et vous savez quoi? Je crois qu'on va aller directement faire un petit match. Et donc, forcément, le match que je vais faire, il sera sans le son. Je suis désolé. Ça sera sans son. Mais c'est au moins pour vous montrer les gameplay, le truc qu'il y a autour. Je parlerai certainement en voix off. Mais certainement pas aussi, parce que je suis un peu malade. Donc c'est peut-être mieux que je vous laisse sans ma voix. Et pour une fois, vous aurez pas mon commentary par-dessus. Ça vous fera des vidéos sans et avec commentary. Donc moi, je vous dis ciao. Portez-vous bien, les potes. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais le signe du Brésil, le signe de Ronaldinho. Et puis voilà. Dites-moi quoi dans les commentaires si vous kiffez aussi votre voiture comme moi. Cette voiture plutôt, comme moi. Et dites-moi surtout ce que vous en pensez. Niveau contrôle, air drag, enfin aérienne. Et frappe, vous allez voir qu'elle met quand même des petites cartaches qui sont intéressantes. Vous allez voir, hein, je crois que j'ai mis une petite frappe qui était plutôt chelou. Je pensais pas la mettre aussi forte, mais bon voilà. Donc je vous dis déjà ciao, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Wesh, votre humble serviteur. Et on se capte avec la Dodge, je sais pas quand, mais on se capte avec la Dodge. Faut la tester. Allez, ciao, bye, peace, yo.
there's a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. A town called Bel-Air. A town called Bel-Air. A town called Bel-Air. Who were up to no good, started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel-Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket.